on se retrouve sur hack.net. Ça faisait un petit longtemps, un petit moment, ça ne va pas du tout. Ça faisait un petit moment, donc. Je ne sais plus où j'en suis, c'est parfait, c'est nickel. Je vois que bon, le pseudo de mon contact est Mensk. Ah oui, je faisais les quêtes. Les quêtes où, qui me. Alors attendez, je dois avoir un mail du coup. Voilà, non, contrat réussi. Ok, oui, il fallait que je prenne un nouveau contrat. C'est ça, c'est ça. Et Meng, c'est celui à qui j'ai envoyé le truc, du coup. Surtout plus contact. Voilà, ça, c'est la quête que j'ai faite juste avant. Donc, ça, on peut fermer. Et on peut aller chercher une nouvelle quête que je me souvienne juste où c'est. Base de données. Connexion. Ah, c'était quoi déjà? Ah, identifiant, parfait. C'est déjà rentré. Ah oui, c'est les contrats disponibles. Alors, nous avons appris qu'il y a une compagnie engagée des hackers moins bien intentionnés que nous pour récupérer des données sensibles d'une entreprise rivale pour des objectifs commerciaux. Pour dissuader les entreprises de se servir de la communauté des hackers de telle manière pour le futur, nous allons nous assurer que leurs transactions foirent. Je prends la quête. Alors, la compagnie PP Marketing a récemment embauché un hacker indépendant pour s'infiltrer dans les serveurs d'une entreprise rivale pour récupérer les données sensibles. Nous pensons que c'est une liste de diffusion, les supprimer de leur serveur et l'envoyer à PP Marketing. J'avais pas déjà lu ça, moi. Ce genre d'espionnage commercial est exactement ce qui donne une mauvaise réputation aux hackers, même si c'est ce que nous ne voulons pas forcément policer, ce qui est... Même si nous ne voulons pas forcément policer ce que font les pirates, ce travail a été diffusé en masse sur Internet et nous voulons donc en profiter pour que les PP ne viennent pas ce qu'elles disent. Il me semble qu'on l'avait quelque part ça. Alors, on a PP Marketing. Nous ne connaissons pas le nom du fichier. Tu devras donc fouiller un peu tout ce, pour trouver la liste des diffusions volées. Il est possible qu'elles soient archivées ou chiffrées. Il est à noter que la compagnie doit être prête à une telle éventualité et dispose de contre-mesures de sécurité. Alors, c'est ici que je me souvienne. J'avais un petit post-it avec les trucs de base notés dessus, mais je ne le trouve plus, c'est parfait. Mince. C'est embêtant. Il me semble que c'était scan pour commencer. Non, c'est pas scan. Alors, un instant. Du coup, il suffisait d'appuyer sur son des systèmes, ce qui était très con, mais très simple. Donc, il me faut un proxy, donc il va falloir surcharger. On va prendre le Vapor. On va faire un shell, si je me souviens bien, et surcharger. Si on retourne là, son des systèmes. Proxy détecté, il va falloir en surcharger un autre. Non, pas lui. Shell. Surchargé. Sondé. Il en faut encore. Il se moque de moi. Shell. On prend le serveur de jeu, tout va bien. Je sais pas en fait si j'ai pris bon là, tout à l'heure. Là, sondé. Proxy détecté. Non, mais je vais pas lui en mettre 50. Shell. Surchargé, on va en mettre deux d'un coup, hein. Ça c'est serveur entrepris, hein. Peut-être pas. Tiens, on sûr. J'espère qu'en fait il s'affiche bien en bas parce qu'à chaque fois je suis pas sûr. Allez hop, là, si là avec ça c'est pas bon, je sais pas. Ah, c'est toujours pas bon. Lui on a dit qu'on n'avait aucun contact. Écoutez, c'est pas grave, on va voir. Hola, hola, hola. Non, il a pas voulu, lui. Lui, je l'ai un petit peu cassé. J'ai pas regardé quel... Attendez. 142. Ouais, c'est bien le dernier, automatiquement. Hein. Ok. Surchargé. Shell. Lui, il va pas vouloir, à mon avis. Ouais. J'ai pas de contrôle sur celui-là. Et par contre, sur celui-là, oui. Voilà. Bon, écoutez, j'ai tout mis. Hein. Si avec ça, ça suffit pas, je ne sais pas. Proxy détecté. Je peux faire un coup de shell sur le mien, mais Oula, 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 oula. Oh, c'est mauvais ça. J'aurais pas dû me servir du mien. Les connexions, voilà. Bon, il fallait pas que je me connecte sur le mien, ok.
Sauver le système. Ouais. Alors, j'arrive pas à faire sauter son proxy. Ah non, c'est mauvais plan. Ok. Ou alors, il faut que je lui mette tout sur la tronche d'un coup. Attendez. Ah, je l'ai contourné. Voilà. Tac. Je reviens dessus tranquillement. Voilà, je l'ai contourné. En fait, il faut lui mettre directement dessus sur la tronche pendant qu'on est dessus. Ok. Donc, SSH. Crac. 22, cette fois ça devrait marcher. Oh bon sang, il va encore. Allez, marche vite. Ok. Bon, FTP boon. Non. Port hack. Mais pourquoi il va pas faire le FTP? FTP boons. C'est pas ça? Ah, Bones, c'est le 21. Je crois que ça. On a 92 secondes, ça va, on devrait s'en sortir. Oui, il y a 89 secondes, ça va, hein. S'il veut bien se presser un peu. Voilà. Bon, hack. Voilà, allez. Voir les fichiers. Alors, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Ça va être très 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 compliqué de tout lire. Dress code. Ah, ça me paraît bien ça. Comment on copie déjà? SCP. On est où? On est workspace. SCP. Mailing. Je pense que c'est ça. On va aller faire un tour quand même dans le reste. Incident log. Non. Incident log non plus. Au passage, j'ouvre tout. Et puis comme ça, je pourrais tout. Tout lire tranquillement après. Bin, y a rien. Système, y a rien. Ok, on va dans log. RM. Tac, on efface tout et on se barre. Puis ça. Ça va, 1 minute 30, ils sont gentils. Hein. Quand on a les codes et tout, ça passe bien. Tac. Ouais, DC. On va pouvoir aller lire ça tranquillement après. Non, on peut pas. Ah, on peut pas remonter. Ça, c'est bête, ça. Bon, tant pis. Le c'est. Bah, du coup, on pourra lire on pourra lire tout simplement en regardant la vidéo. Hein, c'est l'avantage. Alors, un instant. Du coup, il va falloir lui répondre. Est-ce que c'est bon? Mission incomplète. Ah, mince. Bah, pour moi, ça ressemblait bien à une liste, tout ça. Voir les fichiers. Alors moi, pour moi, c'est bien une liste de liste d'emails que le hacker nous a fourni. Il y a une sorte de chiffrement dessus. On a payé un gars pour faire quoi déjà? Les ressources humaines disent qu'ils devront trouver quelqu'un d'autre pour le décrypter et pour le rendre utilisable. Selon le premier, le fichier est fait de la bonne taille. Du coup, ça doit bien être les bonnes données. Il faut juste qu'on arrive à l'ouvrir. Quel désastre! Enfin, au moins, c'est le bon fichier, même si on ne peut pas encore l'utiliser. Du coup, il faut que je trouve comment l'ouvrir, quoi. Bah, je vais chercher ça. On va retourner sur le PC, hein. Bon, bah, on y retourne. Et du coup, ils vont me détecter direct. Non, c'est bon. Alors. On va retourner tranquillement. Bienvenue à votre première journée. Ne faites pas attention à notre image de marque. Nous sommes en guerre et vous êtes du bon côté. Travaillez ici comme pour la firme marketing entreprise américaine d'Amérique. Ce n'est pas facile. Chacun de nos clients est une forteresse. Chacun de nos produits est une arme. Chacune de nos campagnes est une autre bataille que l'on doit gagner pour s'assurer que nos clients réussissent.
Il est toujours primordial que notre présence interne corresponde à nos communications externes pour améliorer notre synergie entre nos marques. Si vous avez des questions, il faut maximiser, blablabla, bref. Dress code. Tous les employés, excepté ceux des installations et du service informatique, doivent se conformer au dress code, blablabla. Des costumes, des chemises, des cravates, aucun motif n'est permis. Hein. Les femmes doivent porter des tailleurs et peuvent porter un foulard de couleur ordinaire pendant l'hiver, uniquement pendant l'hiver. Chaussures polies de couleur noire ou marron. Les instances reçoivent un uniforme simple marine qui doit être lavé et passé régulièrement. Ok, ça nous dit pas grand-chose. Tous les employés qui souhaitent se plaindre d'un collègue ou de la pratique d'une agence, vous devez envoyer un formulaire 106B à leur manager. Ouais, bon, ok. Je pense pas que ça nous intéresse. C'est ça c'est la liste. Mailing info. Ah, la liste des emails. Non, bah non. Ah, mais j'ai pas récupéré le bon truc. Ben oui, forcément. Mais je suis bidon. Secure. Mailing. Non, mail list. Je suis bidon. Point DOC. Bah oui, mais si je prends pas le bon truc, forcément, ça marche vraiment bien. Hop, en plus, comme ça, je suis tranquille. J'ai pas le truc qui est en train de hurler pendant ce temps. Ok, bah voilà. Allez, DC. Tac. On retourne sur le nôtre et on envoie ça. Répondre. Envoyer. Mission incomplète. Ah non, elle est là. C'est quoi l'affaire? Voir les fichiers. Home. Elle est là, hein. La liste, elle est là. Et il faut la décoder. Il y a un encodage, mais... ouais, et j'en fais quoi, moi, de ça? Est-ce que j'ai des trucs pour décoder? Archive éducative du réseau. Traçage. Non, j'ai rien pour décoder. Attends. On va fermer tout ça. On n'a pas fait de scan du réseau ici. Ça donne rien de plus. Voir les journaux. Les logs, ça dit quoi? Tu as mes mots de ce matin, on peut croire qu'ils laissent ceux qui vont faire. Tu peux croire qu'ils veulent qu'on fasse des heures supplémentaires non payées, ça ne me surprend pas, sérieusement, je sais que c'est une start-up, mais ils doivent mieux nous traiter. Sinon, je me casse. Oui, bah casse-toi. Incident log. Te sers un messagerie en panne, je vais dans la salle. Ah, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse là-bas? Bon, j'emballe tout ça tout de suite et j'envoie, je stocke hors site. Des mois d'emails envoyés. Il faut qu'on trouve l'email. Est-ce que en remontant, on peut accéder? Sonder le système. Il y a les mails, il y a le serveur mail, et je pense que c'est par là qu'il faut que je passe. Mais alors, comment on craque ça? Traçage. Bon, ça ne dit rien. Je pense qu'il faut shooter celui-là, mais... Il nous dit rien de plus, il nous dit rien de plus. Le RDP du serveur de cette messagerie est en panne. Tu t'es logué sur le S3. C'est quoi le S3? Je suis en totale perdition. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un fichier qu'on n'a pas vu qui pourrait nous servir?
n'y a rien en exé déjà. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. La mission est complète. C'est quoi le souci? Mais c'est le bon fichier, ils le disent eux-mêmes. C'est le bon fichier. Mais on m'a demandé de leur envoyer le fichier, moi pas de le décrypter. J'ai vidé les logs, j'aurais peut-être pas dû. Il y a peut-être un truc à voir dans les logs. Je ne sais pas. Ah, est-ce qu'il faut que je la détruise, la liste? C'est ça aussi, parce que je l'ai récupérée, mais peut-être que je la détruise. RM. Secure. Mailist.exe. Peut-être ça aussi. Et là, si je fais RM tag et DC, est-ce que ça lui va? Non, parce que c'est vrai que si. Ah bah voilà, fallait que je la détruise. C'est tout simple, c'était juste ça. Ça m'a pris une éternité juste pour ça. Parfait. Bon, on va se faire un deuxième contrat, hein, du coup. Alors attendez, juste que je retrouve où sont les contrats. On a dit c'est là. Ok, connexion, oui, tu mets les trucs de base. Back to school. Un lycée nous a contactés suite à des inquiétudes au sujet de leur département informatique qui accéderait à des données privées des étudiants, probablement à la demande de leurs parents, même s'ils ne sont pas certains. Ils ne veulent rien supprimer, simplement savoir discrètement les mots de passe privés des membres du département informatique pour enquêter sur eux-mêmes. Ok, bah admettons. Allez, on m'a envoyé un mail. Les administrateurs du lycée Melberg nous ont contactés pour obtenir discrètement le mot de passe de leur département informatique pour effectuer une enquête sur le genre de données conservées par leurs étudiants. Une fois à l'intérieur des serveurs, essaye de ne pas modifier les données que tu trouveras. Tout changement peut altérer leur jugement. Enfin, je fasse gaffe ça. Tu dois donc t'infiltrer, effacer tes traces, répondre à ce message avec le mot de passe du serveur. Nous nous chargerons de contacter l'école et de leur envoyer les détails pour le reste. Ok, ça, et je veux juste lire du coup le contrat réussi. Le client nous a signalé un succès, blablabla, il est ravi, il est content. Et je suis 60 sur 100. J'ai bien pris mon temps, mais c'est pas grave. Alors, on va aller là. Ok, on sonde le système. On a des proxys. Et ben, on va aller surcharger le proxy. Shell. Voilà. Tac. Surchargé, il t'en faut un, il t'en faut deux, il t'en faut plus, il t'en faut plus. Ok, il t'en faut plus. Shell. Shell, allez. Non, ça suffit pas. Si, c'est bon. Ok. SSH, crack, 22. Tac, 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 tac. J'aime bien comme ça fait, j'aime bien les styles, le style que ça qu'ils ont pris pour faire le truc. Ok, il m'en faut qu'un. Ah, il m'en faut qu'un, il me faut les deux. Ah, attendez, FTP. FTP. Bones 21. On va le faire dans le doute. Allez, allez, allez. Ça prend son temps. Voilà. Ok. Bon, il n'y en a fallu qu'un, effectivement. Je me suis demandé si port ouvert requis pour le crack, c'était un
après ce que j'avais déjà fait. Ou... Mais bon, du coup, c'est fait. Port hack, j'ai oublié. On trouve le mot de passe. Et on est parti. Voir les fichiers. Home, misc, people. Eh mec, tu sais où je peux trouver de la beuh? Ah bah bien. Un gars, la signe de la grotte, super. Ah, ok. Il y a des avantages à être flic. Merde, on va me tuer. Ah ouais, mince. Attendez. Oui, je pense que ta mère va effectivement te tuer. Ah, on... si un étudiant m'envoie un mail reconnaissant, je le stockerai ici. Bon Dieu, que je me sens seul, patte.exe, tu es le seul qui me comprend. Oh, c'est triste. Ouais, d'accord, ça c'est les recherches a priori, hein, c'est magnifique. Le 14 est particulièrement étrange, mais voilà. Au sujet des annonces de panne d'internet de serveur proxy, si une partie de notre personnel ne comprend pas la phrase de serveur de proxy est en rade, ce n'est pas le cas de nos étudiants. Pendant la panne annoncée hier soir, certains d'entre eux ont compris qu'Internet était toujours actif, mais pas le serveur pas le filtre de recherche. En 20 minutes, ils ont téléchargé 22 téraoctets de porno sur les serveurs de l'école et sur les ordinateurs personnels. Nous aimerions trouver une façon de sécuriser nos serveurs, mais notre manière d'empêcher ce soir ne serait pas-t-il de ne pas annoncer la panne? Oui, ça serait déjà une bonne idée. Réfléchissez au sujet de la sécurité. Ouais, je pensais que ces mises à jour pouvaient aller vraiment faire chier pour bosser, tout ça. Bah écoute, moi, c'est facile. On change le mot de passe du service informatique. Comme ça, je comprends pas. Juste, exactement, juste 7. Non, c'est ça le mot de passe, juste des étoiles. Oh, bon sang. Qui pourrait deviner ça? Personne. Si quelqu'un de pirate, ça aura toujours l'air protégé. Mais c'est incraquable. Mais ils sont débiles. Ils sont débiles. Je vais télécharger ça. C'est ça qu'ils voulaient, hein. C'était le mot de passe. Avec le mot de passe serveur, ouais. Du coup, je vais juste. Je crois. Il fallait que je les fasse ou pas? Essaye de ne pas modifier les données que tu trouveras. Tout changement peut altérer. Ouais, donc on ne touche à rien, on infiltre, on récupère le mot de passe, on efface les traces. Allez, c'est parti. Non, mais c'est le mot de passe bidon, quoi. Faites des vrais mots de passe, les gens. Vraiment, sérieusement. C'est... Répondre. Fallait que je détruise. Fallait pas que je détruise. Essaye de ne pas modifier les données que tu trouveras. Je suis tellement perdu! Je ne sais pas, je ne sais pas. Plus. On va retourner dedans, on va voir s'il y a autre chose. On a presque envie de lui envoyer un mail à ce pauvre monsieur. Je pense pas qu'il y ait besoin de... Ce qui me fait quand même rire, c'est que le 1, c'est Google en fait. On recherche Google sur Google. Bref. Non, bah, je l'ai le mot de passe, c'est tout ce qu'il me faut. Alors à partir de là, il leur faut quoi? Bon, ils sont vides leurs serveurs hein, quand même, hein, parce qu'il y a 4 mails. On peut prendre ça, mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Top. History. Est-ce que du coup il faut que je délète lui? J'ai pas envie de le délète parce que bon, ils m'ont dit de rien modifier. Bon.
Voilà, on va faire comme ça, hein. Puis comme ça, s'il fallait pas le delete, et ben, non, RM. Et ben, s'il fallait pas le delete, tant pis. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Prendre. Non, mission incomplète. Mission incomplète. En quoi? Je l'ai leur mot de passe à la con. Et si je leur réponds. Oh bon sang, il faut leur envoyer un bar. C'est pas le dossier. Oh bon sang. Oula oula, je reçois plein de messages. Oh, ok, vraiment, j'arrive pas à savoir si c'est un génie ou un imbécile. Ouais, on se calme. Peut-être un peu des deux, merde, j'ai essayé de pas. Parce que le script de la vérification disait que ça fonctionnait et je pourrais tester ce machin moi-même. Ça va être une réponse un peu confuse, administrateur. Bon, et bah, bon courage, écoute, mec. Contrat réussi, oui. Un nouveau contrat a nécessité la récupération de nouvelles technologies. Tu es actuellement en ligne et nous aimerions que tu les testes pour nous lors de ton prochain travail. Tu dois accéder au téléphone EOS d'une SIM. Nous avons contacté un spécialiste dans le domaine et obtenu l'accès aux outils nécessaires pour ce travail. Mais ceux-ci ne sont pas vraiment testés, ne l'oublie pas. Tu recevras les détails de ces outils rapidement grâce à ton autre contrat. Lis ce mail en premier. Une fois que tu auras accès au téléphone, tu pourras chercher le mot de passe de la boîte mail du propriétaire que nous connaissons, car elle est synchronisée à l'appareil et répond avec le mot de passe que nous cherchons du reste. Ok, bah écoutez, ça sera pour la prochaine vidéo, parce que maintenant qu'on a réussi, et ben, je vous abandonne. Allez, à bientôt.